Vous êtes un businessman? Vous n'êtes pas un businessman, mais vous voulez qu'on croie que vous êtes un businessman? Alors l'objet qui va arriver va vous intéresser. Voilà, c'est le genre de truc qu'on trouve en masse hein, sur les sites chinois. Et en fait, il s'agit d'un porte-carte pour mettre des cartes de visite. C'est-à-dire qu'en Chine, s'échanger des cartes de visite, c'est presque un sport national. Un peu moins en France, mais bon, si vous savez pas où foutre toutes vos cartes de visite, ça peut toujours servir. Donc c'est magnétique. Vous pouvez voir, hein, ça vient se coller sur les espèces de plaques en fer. C'est plutôt un bel objet, hein, même si c'est de toute évidence pas du vrai cuir. Il est plutôt joli, il faut bien reconnaître. Et donc, vous mettez vos cartes de visite là-dedans. Mettez pas vos cartes de crédit, hein, ce serait pas une bonne idée, à mon avis. Et puis, de toute façon, c'est au format carte de visite. Et ce qui est sympathique, c'est qu'en plus, ils vous fournissent gratuitement un joli petit stylo. Qui a un intérêt assez sympathique, c'est qu'à un bout, c'est un stylet pour les tablettes. Oui, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, à part ça, c'est un stylo tout à fait banal. C'est bizarre, ils ont mis une espèce de goutte de cire rouge sur la pointe du stylo. Je ne sais pas si on peut l'enlever. Oui, voilà. Et puis donc, ensuite, je peux écrire. Oui, sauf que ça, c'est c'est pas du vrai papier. Tiens, je vais ressortir mon papelard d'encre invisible. Et ouais, c'est pas mal. Ça va, il écrit bien le stylo. Oh, sympathique. Par contre, ce qui est chiant souvent, c'est qu'on peut pas mettre le capuchon. Alors, est-ce qu'ils ont prévu quelque chose? Non, on peut pas mettre le capuchon. C'est fréquent hein, sur ces stylets mousse là pour les tablettes qu'on puisse pas mettre le capuchon du stylo. Ça, je trouve que c'est un petit peu pénible. Voilà, donc vous avez un stylo qui fait stylet et un petit porte-carte. Bah voilà, c'est bon, c'est basique. Évidemment, nous en France, on s'échange moins nos cartes de visite qu'en Chine, donc je pense que c'est un petit peu moins intéressant. Mais bon, voilà, si vous aviez envie d'un petit truc élégant pour ranger vos cartes de visite, pourquoi pas ?